L'exposition que Sofiane Lagouati, conservateur au Musée Royal de Marimont, a conçue est fondée sur le motif de la trame, qui fait écho aux rencontres du colloque qui portent sur les croisements entre la France et l'Algérie, l'intime et le politique. L'exposition est née en fait d'une idée d'approcher dans le cadre du colloque Leïla Sebar à Seuilly, avec mon acolyte Aline Berger, qui est co-directrice du colloque à Seuilly, l'œuvre de Leïla Sebar différemment. Une sorte de contrepoint finalement à l'étude matérielle de l'œuvre. Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est que l'œuvre de Leïla Sebar s'y prête assez bien, parce qu'il y a une dimension visuelle, quand on regarde un peu ses différents ouvrages, une dimension visuelle qui est très forte. Il y a une série de photographies, des objets, des aquarelles, différentes peintures. Une documentation riche, archives coloniales, cartes postales. Les fonds sont multiples en fait. Hein, voilà. Donc c'est un travail vraiment original, pionnier pour Seuilly, et première exposition aussi des objets de mémoire avec lesquels Leïla Sebar vit et continue d'écrire. Donc elle est vraiment attentive aux moindres indices, aux objets qui donnent des indices en fait du monde qui l'environne. Quand elle va regarder par exemple une émission à la télévision, elle va noter un certain nombre de choses qui vont lui permettre d'avancer dans sa réflexion, dans son écriture. Pour construire créativement, à partir d'un document, un support sensible, matériel, qui peut servir de tremplin à l'imaginaire. J'insiste sur le fait que ici, nous n'avons pas des archives comme elle met, ce sont des archives vivantes, avec lesquelles Leïla Sebar vit chez elle. Et c'était assez intéressant de voir la réaction de spécialistes plutôt de l'œuvre littéraire, entrer en résonance avec des objets. Donc effectivement, c'est une première et j'espère qu'il y aura d'autres projets de cet ordre-là. Et donc, c'est donc un lieu magnifique qui nous accueille ici, l'étable au centre de Seuilly-la-Salle, au château de Seuilly-la-Salle. L'accueil de Seuilly a été fondamental. L'accueil de l'équipe de Seuilly qui travaille toute l'année ici a permis de réaliser cette belle exposition dans un espace qui est assez original et qui permet en fait de... Voilà, c'est une œuvre au fond, dans une certaine mesure, un peu un travail collectif qui s'exprime dans cette exposition et c'est possible qu'à cette condition évidemment.